Bonsoir Catherine Théodose. Bonsoir Jean-Philippe. Alors une dernière exposition semble-t-il, que vous avez intitulée Drôle de mélange. Et que vous faites une fois de plus dans cet univers très particulier de la maison, la Villa Métis. Et on est surpris parce que la première exposition semble-t-il c'était ici déjà. Et non. Non, la toute première c'était au Conseil Général. Et c'était la première fois que le Conseil Général recevait un artiste. C'est Émile Maurice qui avait vu mon travail sur l'habitat et qui m'avait dit, il m'avait accueilli pour la sortie du portfolio. Et c'était en 1986. Alors ça c'était en 86 et on a transformé la maison en galerie en 89. Donc, et vous dites que ça va être la dernière exposition dans oui, cette maison oui, oui. Que vous aimez tant. Oh, oui, mais la vie et les... La maladie de mon époux font qu'on ne peut plus rester là. On aurait été en forme tous les deux, c'était sans problème. Et là, c'est à moi toute seule, c'est trop dur. Et c'est une grande et belle maison qu'on aura l'occasion de montrer à nos internautes avec ce reportage. Cela étant, qu'est-ce qui caractérise cette exposition, cette dernière exposition ici, donc ce drôle de mélange? D'abord, c'est quelque chose qui collait à la métisse. Le mot lui-même, il mélange. Nous sommes une famille extrêmement diverse au niveau couleur, et ça nous va très bien. Mais il y a dans l'exposition, cette fois-ci, autant des œuvres à l'huile et au pastel, des originaux donc, et puis beaucoup d'objets dérivés. Donc, et sur ces huiles sont sur les thèmes que j'ai toujours traités les uns après les autres, c'est-à-dire l'architecture, la vie quotidienne, les paysages. Donc tout est un peu repris pour un bouquet final. Et les produits dérivés, c'est quelque chose de relativement nouveau? Vous avez déjà l'habitude de... Mais j'ai toujours fait des choses. Moi, j'ai fait des arts appliqués. Et aux arts, on apprend tous les métiers artistiques. Donc ces savoir-faire, je les avais. J'avoue que maintenant, je vais les chercher chez les autres. C'est-à-dire que j'ai tout un réseau d'artisans, beaucoup sur la Martinique d'ailleurs, parce que c'est très important pour moi, et que je fais travailler. Et puis ce sont des rencontres, et c'est assez extraordinaire, avec la rencontre avec le travail des autres, avec la technologie. Ce sont des ouvertures qui me plaisent beaucoup. À rester enfermé devant mon chevalet. Je vais peindre dans la nature toujours. Avec toujours le même plaisir renouvelé. Toujours, ah ben ça. Et alors souvent, les gens de l'extérieur me disent « Ah mais c'est vert la Martinique, ça n'est que vert !» Donc, oui, mais il n'y a pas deux verts pareils. Et moi, je suis enchantée. Et chaque jour qui passe, les lumières sont différentes. Tout est... C'est vraiment une découverte quotidienne. Et ça fait 46 ans, 47 ans que ça dure. Donc, voilà. Y compris lorsque vous revenez sur certains paysages, je pense par exemple à un qui a alimenté en quelque sorte, c'est la première de couverture de portfolio, qui représentait des arbres à la plage de Strabo. À Lanstrabo, oui. À Lanstrabo, qui ont disparu à cause des cyclones oui. Notamment. Mais enfin, on arrive quand même à retrouver une certaine ambiance. Ça n'est plus exactement la même chose, mais l'ambiance y est, la lumière est là. Et puis c'est un lieu auquel nous sommes très attachés familialement. Donc on y revient beaucoup et puis nous y emmenons tous nos visiteurs. Parce que marcher sur cette immense plage, c'est un vrai bonheur. Ouais. Et en termes de, comment dire, au niveau de la peinture, c'est toujours les mêmes manières de faire que vous perpétuez? Non, pas forcément. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a par exemple de nouveau éventuellement? Les matériaux, les mélanges que je peux faire entre les différentes techniques. Les lieux dans lesquels je m'installe, les positions dans lesquelles je peins, c'est jamais la même chose. Mais je ne m'ennuie jamais, hein, parce que j'ai toujours fait ça quand j'enseignais, jamais deux courses identiques. Parce que j'étais la première à me dire, oh, si j'étais prof de maths, qu'est-ce que ça serait embêtant de répéter toujours les mêmes choses. Et moi, j'ai la chance de pouvoir justement varier les plaisirs. Lorsque vous avez commencé, les techniques numériques n'existaient pas. Voilà. D'un produit dérivé, par exemple, vous prévoyez des choses, des sacoches pour des tablettes. Voilà.
Ah, mais ça, j'y viens tout doucement. J'ai heureusement un fils qui parle à la machine un peu plus rapidement que moi. Mais justement, ces transformations d'image m'intéressent beaucoup. C'est un autre champ de recherche. Et ça, c'est fabuleux. Et vous êtes toujours intéressé, vous suivez de près ces évolutions. Oui, oui, oui. Et dans ces évolutions, il y a des choses qui vous semblent particulièrement fabuleux, des choses qui vous ont particulièrement frappé. C'est pas possible aujourd'hui qu'on puisse faire des choses comme ça, et tout ce qu'on peut imaginer. Mais on peut reproduire. Quasiment tout faire, et maintenant qu'il y a en plus ces photocopieuses en volume, en 3D, là c'est le début pour moi d'autre chose. Parce que et vous cette vous fois-ci, y je. Ah, mais oui, ouais. Je ne peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Et qu'est-ce qui vous anime? C'est trop intéressant. Eh bien, créer d'autres objets, créer sous une autre forme, ne pas m'arrêter de sortir des choses de mes doigts. Voilà. Et comment les gens, le public réagit? Vous sentez, il y a des demandes particulières, il y a des réactions particulières? Ah oui, en général positives, mais bon, j'aime autant qu'on me dise aussi ce qu'on aime ou on n'aime pas, parce que ce rapport avec le public, il m'apporte aussi à moi savoir comment les gens réagissent. Ça me fait dire aussi à moi, mais il faut peut-être réfléchir à ceci ou cela. C'est quand même important. Mais vous voyez, j'ai reçu je ne sais combien de mails là, de gens qui depuis 40 ans venaient à la maison. Alors il y en a beaucoup qui sont un peu partis dans le monde entier, mais j'avais envoyé les invitations et les retours sont, j'en aurais pleuré devant mon ordinateur tellement c'était attendrissant de voir avec quelle gentillesse et puis le bonheur que j'ai pu leur procurer parce qu'ils vivent avec mon travail. Et ça, j'avoue que rien n'est plus important que ça. Vous disiez à l'instant que c'était important de discuter, d'avoir des échanges avec le public. À l'heure des réseaux sociaux, précisément, vous avez évoqué tout simplement les mails à l'instant. Est-ce que vous allez au-delà? J'ai vu d'ailleurs que vous avez un compte Facebook où beaucoup de gens vous ont souhaité bon anniversaire le 14. Oui. Et vous n'avez même pas répondu par rapport à ce que je n'ouvre jamais. C'est Damien qui a mis l'invitation sur Facebook, je n'y vais jamais. D'accord. Donc, mais comme les enfants en ont un chacun, pour les choses qui sont importantes, vous passez par eux, quoi. Je passe par eux, ils me disent, ah ben, un tel à ceci, un tel à cela, il s'est passé ça. Bon, j'estime que ça va. D'accord. Et puis je suis encore très téléphone, de toute façon. Oui. Et donc, pour terminer, dans cette maison, malgré cette maison, la peinture, ça va toujours rester quelque chose. Vous allez toujours continuer à travailler tant que vous pourrez. Oui, tant que on me laisse mes yeux et mes mains, oui. Mm-hmm. Et là, ça marche, ça fonctionne. Et là, pour le moment, ça va très bien. j'ai eu un souci cardiaque assez sévère, mais ça s'est résolu. Mais la tête et les mains vont bien. Donc, c'est l'important. Oui, si ça, on me permet de continuer comme ça, je continuerai. Merci, Catherine. Merci, Jean-Philippe.